Alors, bonjour à tous. Comme François l'a mentionné, ma présentation va porter sur certaines conditions de travail et d'emploi qu'on retrouve au Québec et les différences que l'on observe entre les hommes et les femmes. Donc, au niveau du cadre conceptuel que j'ai retenu, c'est un cadre conceptuel qui a été développé dans le cadre de l'enquête sur les conditions de travail, d'emploi et de SST. Donc, ce qu'on retrouve dans le cadre en haut à droite, donc les variables qu'on caractérise comme modifiantes, donc les caractéristiques individuelles et les situations non professionnelles, donc les caractéristiques sociodémographiques ainsi que la charge familiale. On en a discuté un peu ce matin. À votre gauche, on trouve les variables indépendantes, donc les variables qui sont liées à la situation professionnelle, aux conditions de travail, vie personnelle, les caractéristiques générales de l'emploi, et également certaines conditions de travail et d'emploi, comme l'environnement de travail, que ce soit physique ou caractéristiques de certaines situations, et le temps de travail. Et puis tout ça, bien, ça a des associations, donc la flèche du milieu qui a des associations avec certaines variables dépendantes, donc des problèmes de SST, comme les accidents, les TMS, les problèmes de santé psychologique et l'état de santé général. Naturellement, la flèche qu'on retrouve au milieu, c'est-à-dire que les variables modifiantes peuvent modifier en fait les associations qui existent entre les variables indépendantes et les variables dépendantes. Donc ici, je vous présente la situation en 2011 au niveau des statistiques du marché du travail. Ces statistiques-là proviennent d'un document qui est publié par l'Institut de la statistique du Québec, qui s'appelle État du marché du travail au Québec, donc le bilan de 2011. Donc en 2011, la population de 15 ans ou plus était estimée à 6,6 millions. La répartition entre les hommes et les femmes était quand même sensiblement répartis, comme on peut dire, 50,6% des femmes, 49,4% des hommes. Au niveau de la population active, donc la population active qui regroupe les chômeurs et les travailleurs, elle était de 4,3 millions. Au niveau de la répartition, les proportions sont légèrement différentes de celles qu'on a observées pour la population de 15 ans et plus, donc un peu moins de femmes, 47,3% et 52,7% d'hommes. Et finalement, au niveau de la population qui est en emploi, elle représente 4 millions de personnes, 92,2% de la population active. Et puis, les proportions entre la répartition entre les hommes et les femmes est comparable, en fait, à celle qu'on voit dans la population active. Donc, 47,7% de femmes, 52,3% d'hommes. Donc, pour les fins de la présentation, je vais m'attarder surtout à la composante en emploi parce que c'est celle-ci qui est d'intérêt lorsqu'on s'intéresse aux problématiques de SST. Donc, en termes d'évolution de la population en emploi, chez les hommes, on est passé de 1,6 million à 2,1 million sur l'ensemble de la période qu'on regarde. Donc, c'est une augmentation d'environ 30 %. Au niveau des femmes, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, l'évolution est beaucoup plus importante sur l'ensemble des années. Donc, on passe de 0,9 million à 1,9 million sur les 35 dernières années. Donc, c'est une évolution qui est très importante. La population d'emploi des femmes a doublé, là, en fait, sur ce qu'on remarque, ce qui a pour effet. En termes d'écart, on est passé d'un écart de 83 % en 1976 à un peu moins de 10 % en 2011. Alors ici, c'est intéressant de voir comment cette évolution-là s'est opérée, s'est articulée selon les différents groupes d'âge. Alors ici, j'ai représenté l'écart des taux d'emploi entre le taux d'emploi des hommes et le taux d'emploi des femmes pour 4 années que j'ai considérées, donc 80, 90, 2000, 2011. Et j'ai considéré 4 groupes d'âge, les 15-24 ans, les 25-44 ans, les 45-54 ans et les 55-64 ans. Donc, c'est des évolutions aussi en points de pourcentage, là, donc c'est le taux des hommes moins le taux des femmes. Donc, chez les 15-24 ans, ce qu'on observe, globalement, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on observe, c'est la diminution des écarts entre les hommes et les femmes est vraie dans tous les groupes d'âge qu'on observe. Chez les 15-24 ans, on remarque un moins 3,4 points de pourcentage, ça veut dire que le taux d'emploi des jeunes femmes est plus élevé que celui des jeunes hommes. Et puis, ça s'explique essentiellement par l'augmentation du travail des jeunes femmes qui sont étudiantes, qui sont aux études. Chez les 25-44 ans, encore là, une bonne diminution des écarts entre le taux d'emploi des hommes et des femmes.
On passe de 34,2 points de pourcentage à 4,4 points de pourcentage, donc une bonne diminution des écarts. Puis c'est à ce groupe d'âge-là qui est intéressant de voir, c'est que c'est à ce groupe d'âge-là, l'âge à la maternité qui peut jouer. Mais au fil des ans, on voit que c'est plus rendu une variable qui fait que les femmes vont se retirer du travail, là, le fait d'être en âge de maternité. Donc, elles vont continuer à investir le marché du travail à ces âges-là. Chez les 45-54 ans également, on remarque de manière encore plus prononcée une diminution des écarts. On arrive en 2011 à des écarts de 4 points de pourcentage entre les hommes et les femmes. Et puis finalement, chez les 55-64 ans, on remarque encore là une réduction des écarts importante, mais en 2011, il reste quand même 11 points de pourcentage d'écart entre les hommes et les femmes, ce qui laisse suggérer encore un certain rattrapage à ce niveau-là au fil des prochaines années. On pense que le taux d'emploi des femmes pourrait continuer à croître en ce qui concerne ce groupe d'âge-là. Je me suis intéressée, en fait, je trouvais ça intéressant de regarder le groupe d'âge spécifique des 25-44 ans compte tenu de la situation, la présence d'enfants, en fait, la situation et la charge familiale. Donc ici, je vous présente l'évolution des taux d'emploi des personnes âgées de 25-44 ans. Juste pour vous mentionner que ce groupe d'âge-là représente un peu plus de 40% de la main-d'œuvre de l'emploi, en fait, selon la présence d'enfants de 12 ans au moins. Je tiens juste à souligner aussi que l'échelle dans le bas, les années qui sont représentées, là, de 76 à 91, ça représente une période de 15 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable en termes d'évolution du restant de la période. Chez les femmes avec enfants de 12 ans au moins, on voit vraiment l'augmentation très importante du taux d'emploi des années 76 à 2008. Puis là, comme je vous disais, la période de 15 ans au départ, bien, ce qui fait que la courbe ou l'importance de la pente au départ est vraiment plus importante que, dans le fond, elle devrait être un peu plus aplatie si on avait vraiment des périodes annuelles. Donc, on passe de 32,2% de taux d'emploi à 76,7%, ce qui est quand même très, très important. Donc, les femmes ne se retirent plus autant qu'auparavant du travail lorsqu'elles ont des enfants. Les femmes sans enfants de 12 ans au moins, le taux d'emploi évolue un peu à la hausse, mais quand même de manière assez stable, pas de grande évolution, comparativement vraiment aux femmes qui ont des enfants de 12 ans au moins. Puis là, quand on regarde le taux d'emploi des hommes, en fait, les hommes avec enfants et les hommes sans enfants, bien, on remarque que, en fait, ceux qui ont les taux d'emploi les plus élevés, c'est les hommes avec enfants de 12 ans au moins. Donc, on peut penser que le fait d'avoir des enfants, ça effectue une pression à la hausse chez les hommes de travailler, là. Donc, au niveau de la répartition selon la catégorie professionnelle, comment les hommes et les femmes se répartissent selon les différentes professions, ici, c'est un regroupement de sept regroupements de professions. Donc, les ouvriers non qualifiés et manœuvres, les ouvriers qualifiés, personnel de bureau, contremaître et cadres de premier niveau, les semi-professionnels, les professionnels et les cadres supérieurs et intermédiaires. Donc, au niveau des femmes, ce qu'on remarque, c'est que près de 80 % d'entre elles se retrouvent dans quatre principales professions. Donc, les ouvriers, je pense que vous les voyez là, mais les ouvriers non qualifiés et manœuvres à 22,9 % le personnel de bureau à 20,9 % les professionnels et les semi-professionnels. Chez les hommes, la répartition est quelque peu différente encore là au niveau de ce qu'on remarque là. Au niveau des ouvriers non qualifiés et manœuvres, encore là, 29,1% des hommes se retrouvent dans ce type de profession-là. Après ça, on passe aux professions d'ouvriers qualifiés, ce qui n'apparaissait pas chez les femmes. Les professionnels à 16% et les semi-professionnels et les techniciens à 14,7%. Donc, ces quatre professions-là ensemble, c'est environ le trois quarts des hommes qui se retrouvent dans ces professions-là. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux écarts, donc je vous invite à regarder les bâtonnets qui sont en doré, en jaune. Donc, là où les écarts sont les plus importants, on remarque au niveau du personnel de bureau, proportionnellement beaucoup plus de femmes que d'hommes qui occupent ce genre de profession-là. Après ça, on passe à des emplois où il y a proportionnellement plus d'hommes. Donc, les ouvriers qualifiés, les ouvriers non qualifiés, les manœuvres, les cadres supérieurs et intermédiaires. Puis après ça, chez les femmes, on voit les semi-professionnels et techniciens, proportionnellement un peu plus de femmes que d'hommes, et les professionnels également.
Donc, ça suggère, en fait, c'est que les hommes et les femmes n'effectuent pas nécessairement les mêmes professions, là. Au niveau de la répartition des travailleurs, selon une autre catégorisation que nous, on utilise beaucoup à l'IRSST, qui est le type de profession, c'est un regroupement qui est fait sur la base de l'importance de la charte du rôle de l'activité physique dans le travail. Donc, au niveau des professions manuelles, on entend par là une profession dont le rôle de l'activité physique dans le travail est important. Donc, on peut parler de travailleurs de la construction, des manœuvres. Au niveau du travail non manuel, c'est des professions dont l'activité physique a un rôle mineur dans le travail, comme par exemple les enseignants, le personnel administratif. Et puis finalement, les professions mixtes, c'est des professions dont l'activité physique peut être légère mais continue ou intense mais ponctuelle, comme on peut parler des infirmières ou des coiffeuses. Donc, ce qu'on remarque encore là, c'est que les hommes et les femmes ne se distribuent pas nécessairement de la même manière. Donc, on remarque qu'il y a, dans la catégorie manuelle, près de 40 % des hommes se retrouvent dans cette catégorie de profession-là. Et puis, pour les non-manuels, plus de la moitié des femmes sont dans cette catégorie de profession-là. Donc, encore là, une répartition qui diffère selon l'importance du rôle de l'activité physique. Donc, maintenant, je vais m'intéresser aux caractéristiques du milieu de travail. J'ai décidé juste de vous présenter la répartition selon le secteur d'activité économique. Donc, ici, c'est un regroupement en 9 catégories de secteurs. Donc, l'administration publique, enseignement, soins de santé, le commerce, le transport, l'entreposage, gestion des déchets, soutien à la production, hébergement, restauration, manufacturier, réparation, entretien et primaire et construction. Au niveau des hommes, on remarque que les 4 principaux secteurs qui sont investis par les hommes représentent à peu près comme 70%, sont concentrés à peu près à 70% là-dedans. Au niveau du manufacturier, réparation et entretien, donc 22% des hommes sont concentrés dans ce secteur-là. Soutien à la production, 18,5%, le commerce et puis le secteur primaire et construction. Naturellement, j'imagine que vous n'êtes pas tellement surpris que les femmes ne se répartissent pas nécessairement de la même manière que les hommes. En fait, on retrouve les femmes aux soins de santé et assistance sociale, donc près de 20 % d'entre elles sont concentrées dans ce secteur-là, ce qu'on ne voyait pas chez les hommes. Le soutien à la production, le commerce, et puis l'hébergement, restauration et autres services, donc 13,4 %. Donc, ces 4-là représentent à peu près encore là 70 % du travail des femmes. Au niveau des écarts, c'est des écarts en points de pourcentage. On remarque que l'écart le plus frappant, c'est vraiment celui qu'on observe dans les soins de santé et l'assistance sociale. Donc, une proportionnellement plus forte concentration de femmes que d'hommes dans ce secteur-là. Après ça, on passe au secteur plus masculin, à proportion plus masculine, manufacturier, réparation et entretien, le primaire et la construction. Et puis, au niveau des proportions plus féminines, l'hébergement, la restauration, l'enseignement. Donc, c'est tous des secteurs que je pense qu'on est quand même au courant qu'il y a ces écarts-là. Mais je pense que c'est important de le mentionner. Après ça, je me suis intéressée, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter différentes conditions de travail. Puis j'ai plus axé sur les horaires et les heures de travail. Et puis, la notion de précarité et d'insécurité d'emploi. Au niveau des horaires et des heures de travail, donc le nombre d'heures hebdomadaires qui est effectué dans le travail, les femmes étaient plus nombreuses à entrer dans le groupe des 30 à 39 heures de travail par semaine, 45,7% contre 23% chez les hommes. Mais les hommes, eux, se retrouvent davantage dans les groupes de 40 heures et plus, donc plus d'hommes qui sont là-dedans, près de 70% d'entre eux sont dans cette situation-là. J'ai également considéré la satisfaction par rapport à la durée de la semaine de travail à l'emploi principal. Et puis, il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, les différences sont faibles entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Là où il y avait un petit écart, où les femmes disaient vouloir un peu plus, dans une proportion un petit peu plus importante que les hommes, travailler moins d'heures. Au niveau du cumul d'emploi, pas de différence entre les hommes et les femmes, pas de différence estimative significative observée entre les hommes et les femmes.
Au niveau des horaires, encore là, des heures de travail, au niveau du type d'horaire, l'horaire régulier, donc c'est un horaire, l'individu effectue la même plage horaire d'une journée à l'autre. Donc encore là, pas de différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes. Donc on voit qu'au niveau des horaires, il y a des écarts parfois, il y a pas d'écart. Donc je pense que ça doit être considéré là, lorsqu'on s'intéresse à genre des études sur le travail. Au niveau du travail de fin de semaine, j'ai marqué la définition qui a été retenue dans l'éco-test parce que je pense que c'est intéressant de voir comment ça a été bien défini pour bien comprendre qu'est-ce qui se retrouve dans les résultats. Donc, comment le libellé de la question est formulé? Vous arrive-t-il de travailler le samedi ou le dimanche à votre emploi principal avec ou sans rémunération, à la demande de l'employeur ou à votre initiative personnelle? Donc, suite à cette manière de formuler les choses, on a constaté qu'il y avait plus d'hommes qui rapportaient travailler la fin de semaine. Donc, 66,9% disaient travailler la fin de semaine contre 51,7% des femmes. Toutefois, lorsqu'on regarde la fréquence, donc parmi ceux qui travaillaient la fin de semaine, on leur a demandé bien, combien de fois ça vous arrivait de travailler. Donc, au niveau de la fréquence, on remarque que les femmes sont plus nombreuses à travailler au moins 4 fois par mois, donc à toutes les fins de semaine, donc 33,7% contre 26,3% chez les hommes. Donc maintenant, en ce qui concerne la précarité et l'insécurité d'emploi, dans l'étude, il y a des indicateurs de précarité et d'insécurité d'emploi qui ont été construits. Juste pour vous mentionner, un des éléments qui nous a conduit à créer ces indicateurs-là, c'est le fait que dans certains cas ou dans certains phénomènes, on n'avait pas un nombre suffisant statistiquement pour être capable de vraiment analyser le phénomène plus en profondeur. Fait qu'on a décidé de regrouper certains éléments. Donc, la précarité contractuelle, bon, je ne lirai pas, je ne passerai pas en détail tout ça parce que c'est un peu long, mais on classait un travailleur qui était précaire en emploi s'il remplissait des conditions suivantes. Pour l'insécurité d'emploi, on a effectué sensiblement la même démarche. On a retenu ces deux indices-là, donc ma sécurité d'emploi est faible, fortement d'accord ou d'accord, ou encore les indices avaient connu une période de chômage au cours des 2 dernières années. Là, je vais vous présenter qu'est-ce que ça donne en termes de résultats au niveau des différences entre les hommes et les femmes. Donc, au niveau de la précarité contractuelle, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a davantage de femmes qui se situent comme précaires au niveau contractuel, selon la définition qu'on a utilisée tout à l'heure, donc 15,5% des femmes contre 10,6% des hommes. Au niveau de l'insécurité d'emploi, bon, les proportions sont plus élevées, mais il n'y a pas de différences statistiquement significatives qui sont observées au niveau de l'indicateur d'insécurité d'emploi entre les hommes et les femmes. Donc, au niveau de l'environnement de travail, bien, les hommes, comme Karen l'a mentionné ce matin, les hommes sont un peu plus défavorisés ou désavantagés à ce niveau-là, au niveau de l'environnement physique. Donc, au niveau du travail des hommes, on remarque qu'ils sont proportionnellement plus souvent debout, les mains au-dessus des épaules, dos penché, de côté ou en torsion. Ils effectuent également plus de gestes de précision proportionnellement quand on les compare avec les femmes, là, naturellement. Au niveau des efforts en manutention de charges lourdes, les efforts pour l'utilisation d'outils, sont également exposés plus souvent à certains agresseurs comme les sauvants, le bruit, les vibrations, conduite d'un véhicule et cumulent davantage de contraintes physiques. Au niveau du travail des femmes, bon, le travail, les femmes sont proportionnellement plus souvent assises, effectuent des gestes répétitifs avec les mains ou les bras, passent plus souvent de temps devant un ordinateur. Donc là, j'ai sélectionné certaines situations de travail qui peuvent être considérées comme exigeantes. Et puis, les femmes ont rapporté proportionnellement plus vivre ce genre de situation-là dans leur travail. Donc, au niveau du travail émotionnellement exigeant, bon, les femmes, 52,3% contre 44,8% chez les hommes. Par travail émotionnellement exigeant, on entend par là le fait d'avoir la charge soit d'une personne qui souffre ou être en relation d'aide avec quelqu'un. Donc, c'est comme avec la nature du travail qu'elles font, elles se sentent davantage plus émotionnellement, dans un travail qui est plus émotionnellement exigeant. Au niveau des situations de tension avec le public, encore là, les femmes sont plus souvent exposées à ce genre de situation-là. Au niveau du rythme de travail, bon, il y a proportionnellement plus de femmes qui disent ne pas avoir la possibilité de prendre une pause. Ça l'exclut, par exemple, la période des repas.
Et puis également, ne pas avoir la possibilité de choisir ou de modifier sa cadence ou sa vitesse de travail. Bon, 26,2% des femmes se situaient dans cette situation-là contre 17,5% des hommes. Et puis finalement, au niveau du soutien social faible, donc ça réfère à la collaboration collègue supérieure. Les hommes sont vivent plus souvent un soutien social faible là, à ce niveau-là. Le soutien social, ce qui est intéressant, c'est que ça peut préserver les individus de certains effets néfastes qui peuvent arriver dans le travail. Donc, c'est quand même une variable que je juge assez importante là, au niveau de la protection des travailleurs. Les analyses qui sont présentées sont descriptives, naturellement. La taille de l'échantillon limite parfois les analyses, comme par exemple les secteurs et professions. On ne peut pas aller dans le fin détail autant qu'on voudrait parfois. J'ai sélectionné certaines conditions de travail. Karine a mentionné ce matin aussi qu'on ne pouvait pas tout mesurer non plus dans ce genre d'études-là. Donc, certaines contraintes plus spécifiques aux femmes, des fois, ne sont pas nécessairement évaluées. Et puis, malgré les différentes limites de ces données-là, on se compare quand même au Québec là, à d'autres enquêtes populationnelles. Ce n'est pas rien de nouveau, là. Donc, pour conclure, grande féminisation de la main-d'œuvre depuis les 35 dernières années, présence importante des femmes au cours de augmentation de l'importance des femmes. Les différences hommes-femmes existent donc au niveau de l'emploi, catégorie professionnelle, au niveau des professions, au niveau du milieu de travail également, au niveau des secteurs d'activité. Au niveau des conditions de travail, comme les horaires, précarité, insécurité, c'est pas toujours le cas. Des fois, les hommes se distinguent. Des fois, les hommes et les femmes se distinguent, mais parfois, il n'y a pas d'écart qui sont statistiquement significatifs observés. Et puis, finalement, au niveau de l'environnement de travail, on remarque que les hommes sont plus souvent défavorisés au niveau de l'environnement physique. Donc, je pense que j'ai pas à vous convaincre de l'importance de prendre en compte le genre dans les recherches qui portent sur le travail. Merci.